Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. J'ai reçu mon DP d'un partenariat, mais alors je ne m'en rappelle plus lequel. Donc pour l'instant, je regardais l'étiquette, mais je ne vois rien de marqué. Donc on va l'ouvrir ensemble. Non, je cherche, mais je ne trouve pas. Donc, comme là, je viens de le recevoir et puis il n'est pas ouvert. Donc, on va l'ouvrir. Comme j'ai deux partenariats, alors, c'est la boutique Hybroderie Diamant. Voilà. Voilà, c'est la boutique Hybroderie Diamant. Ça va, le carton, il est bien. Donc, oui, elle m'avait contacté, Lisa m'avait contacté pour... pour comment ça... un DP. Je vais mettre ça là. Elle devait me mettre elle devait me mettre le papier avec le code promo et elle ne me l'a pas mis, donc je ne sais pas. Donc c'est un, on va découvrir ça après, c'est un 35 sur 35. Et il y a 29 couleurs. Et j'ai pris un, moi ça va, il va bien. J'ai pris des diamants ronds parce que j'ai essayé les diamants carrés et j'ai vraiment du mal avec les diamants carrés. Donc là, je vais découvrir un peu. Mais en tout cas, il y a des belles couleurs. Il y a des belles couleurs. Ah, c'est une petite boîte. Oui, il colle bien. Donc je vais vous montrer le motif. Alors le motif, c'est voilà. Alors j'ai une passion pour tout ce qui est féerique, les fées. Et celui-là avec toutes les couleurs, je l'ai trouvé très beau. Donc pour l'instant, donc ça va bien. Alors, elle m'a mis un... oh, il est beau. Un stylet en cadeau. Il est beau, hein. Il est vraiment beau. C'est en cadeau. C'est magnifique. C'est magnifique. J'essaye de le remettre, je l'ai déboîté, mais j'arrive pas à le remettre. Je l'ai mis de travers.
Voilà. Je vais le remettre dans le sac. Non, je ne vais pas le remettre dans le sac, je vais le placer dans ma boîte. Et là, wow. Donc, il y a la pince, il y a le stylo, il y a la pâte, et puis il y a de la, comment ça, il y a un petit, ça ils le font pas à tous, j'ai eu un diamant painting, voilà, ceci. Alors ça c'est, si vous avez un, il vous manque de la colle à un endroit. Voilà. S'il vous manque de la colle à un endroit, c'est de la colle. Et comme ça, vous pouvez le couper et le rajouter s'il vous manque de la colle. Et ça, c'est bien. Donc la pince, oui. En tout cas, il y a des très 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 belles couleurs. Il va être magnifique. Il va être magnifique. Ouais, j'aime bien. Il y a des très très belles couleurs. Mais je crois que moi, je vais rester maintenant sur les ronds. Ah, les carrés, il y a rien à faire. Hein. J'y arrive pas. J'ai essayé, là, je suis en train d'en faire un et je galère. Bon, je le fais, mais je galère de trop. Et là, il y a vraiment des ravissantes couleurs. Ah non, mais il est magnifique. J'aime bien. Et ben voilà, il n'y aura plus qu'à faire. Hein. Bon, ben, pour l'instant, j'ai encore mon autre à finir, là. Bon, j'en ai plus beaucoup. Et puis après, ben, on rattaquera. Hein. Mais ce qui est bien, c'est ça qui est bien, c'est parce que c'est des petits sacs. Ah, il y en a un qui est sorti de son sac. Voilà. Ce qui est bien, c'est parce que c'est des petits sacs avec des zips. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, on peut les fermer, quitte après à les ranger dans une boîte. Et s'enfermer, ils sont vraiment bien. Et ça, j'aime bien ces petits sacs comme ça. Je préfère ça que les sacs qu'il faut couper et puis remettre dans des boîtes. Et... Ah non, mais ça, c'est bien. Ah, j'aime bien. Et ben voilà. Mais bon, elle m'a oublié de me mettre le code. Alors, je pense... Ben, je remettrai le même. Je lui demanderai. Et puis, pour l'instant, ben, je remettrai le même code que j'avais au démarrage. Parce qu'elle ne me l'a pas donné. Mais ça, c'est la feuille avec tous les comment ça? Les numéros, tous les symboles et la couleur. Ben, je vérifierai les couleurs quand je commencerai. Ah, pour l'instant, je vais maintenant quand même replacer tout dedans. Voilà. Je vais tout replacer à l'intérieur. À part le stylo, le stylet là, je vais le remettre dans la boîte. Et je l'attaquerai après. Voilà. Et ben voilà, donc je vous ai montré donc le diamant painting que j'ai eu avec en partenariat avec la boutique Ibroderie Diamant.
Et puis, ben, je vous ferai des vidéos sur quand je vais le commencer. Et puis après, je vous ferai des vidéos sur l'avancement du TP. Voilà. Et ben, je vous dis donc au revoir et à une prochaine vidéo. Bye bye!